Ouais, pour les jugements positifs, c'est bien de juger quand c'est beau, quand c'est quand quelqu'un est lumineux, quand quelqu'un est intelligent, qui nous donne à réfléchir. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sur l'estime et l'admiration. Mais on peut juger aussi, on peut avoir aussi des jugements négatifs sur des choses qui nous semblent être de peu de valeur, des choses un peu faciles, des choses qui ne nous poussent pas vers le haut, mais qui nous font plutôt descendre vers le bas. On peut aussi juger des choses négatives. C'est ce que font la plupart des grands écrivains, hein, Molière, La Fontaine, Flaubert, pour ne prendre que, mais il y en a bien d'autres. Ils jugent des traits négatifs chez l'être humain. Par exemple, Molière, quand il parle de l'avare, ben, il se moque de lui quand même, hein, l'avare qui est accroché à sa cassette, qui ne pense qu'à son fric, qui est complètement obsédé. Molière, il juge son personnage, il nous invite à le juger. Mais ce jugement, c'est une façon aussi de comprendre l'avare, parce que il y a peut-être chez nous une dimension un peu avare, justement, qu'on peut regarder à travers le personnage de l'avare et qu'on peut questionner. Donc, juger, ça n'est pas se débarrasser. Waouh, t'es qu'un avare, t'es dégoûtant. Mais c'est plutôt regarder, regarde l'avare qui est en toi. Ou bien encore La Fontaine, quand il nous parle du corbeau qui se laisse bêtement flatter, du lièvre qui batifole mais sans prendre au sérieux ce qu'il fait, du chien qui reste attaché à sa laisse et qui préfère le confort à sa liberté. On peut penser à Flaubert quand il parle d'Emma Bovary. Bah, Emma Bovary, c'est quand même un personnage qui vit un peu à côté de la réalité et qui est extrêmement égocentrique. Tous ces traits de caractère humain qui sont des formes de jugement, alors des jugements extrêmement précis chez ces écrivains. Quand nous, lecteurs, quand nous les lisons, ben, nous sommes amenés aussi à juger l'avare, le misanthrope, le corbeau, le lièvre, le chien et Emma Bovary. Ce n'est pas juger pour les rejeter, ce serait plutôt juger d'une forme de dialectique, c'est-à-dire critiquer tout en conservant cet avare. Ce personnage sensible à la flatterie qui ressemble au corbeau, ce personnage égocentrique, bah ouais, peut-être qu'il est aussi en moi. Il est toujours là. Regardons-le à travers ces grandes œuvres de la littérature. Et soyons vigilants, hein. Donc ce jugement n'est pas fait pour écarter, mais plutôt pour dépasser, pour regarder ce qu'il y a en soi et en même temps le travailler. Donc c'est important d'établir des jugements de valeur. Voir ce qui est plutôt assez bas et ce qui est plutôt assez haut. Alors, en fonction de quoi on établit nos jugements de valeur, c'est ce que on va voir dans une vidéo suivante.